Le prince de Galles a inauguré un monument à la mémoire des policiers morts pendant l'exercice de leurs fonctions. Il s'agit de près de 5000 officiers et membres du personnel morts pendant leur service depuis 1749. 1500 d'entre eux auraient été tués par des actes de violence. CST au National Memorial Arboretum dans le Staffordshire que l'événement a eu lieu. Au nom de la nation, je tiens tout particulièrement à exprimer ma profonde gratitude pour la vaillance et le sacrifice de ceux qui ont donné leur vie pour assurer notre sécurité, à me souvenir de leur famille en deuil et à reconnaître ceux qui continuent à servir pour sauvegarder nos libertés, a-t-il déclaré lors de la cérémonie. Même si nos témoignages d'appréciation seront toujours désespérément inadéquats et, malheureusement, ne rendent pas l'angoisse plus facile à supporter, je prie pour que ce mémorial offre non seulement un lieu sacré où nous pourrons tous rendre hommage à chacun d'entre eux, mais aussi l'assurance que ceux qui ont donné leur vie de manière si désintéressée laisseront un héritage durable et ne seront jamais oubliés, continue le prince de Galles. Une porte ouverte au début d'un voyage, le monument en l'honneur des policiers décédés arbore un message particulier. Il s'agit d'une structure en laiton de 12 mètres de haut. Une structure conçue comme étant une porte ouverte au début d'un voyage. Elle est parsemée de trous en forme de feuilles et a coûté 4 millions de livres sterling. Le prince Charles était aux côtés du Premier ministre Boris Johnson ainsi que du ministre de l'Intérieur Priti Patel lors. Pendant la cérémonie d'inauguration, la chanteuse d'opéra Catherine Jenkins a chanté Eve Out to the My Country. De son côté, l'orchestre symphonique de la police britannique a participé en jouant Nimrod d'Elgar et le plus moderne You Raise Me Up.